Le rink hockey est un sport collectif créé en 1877 en Angleterre par un Américain, Edward Crawford. Malgré cette descendance anglophone, ce sont les pays latins, Espagne et Portugal qui dominent ce sport depuis l'après-guerre. Cette domination est contestée ces dernières années par l'Italie et l'Argentine. La France compte environ 5700 licenciés, répartis dans plus de 80 clubs. Ce sport peut se pratiquer dès le plus jeune âge, autant par les filles que par les garçons. Chaque équipe est composée de 5 joueurs, dont un gardien. Chaque joueur est équipé de patins à roulettes type quad et d'une crosse. On joue avec une balle dure et le but du jeu est de marquer plus de buts que l'adversaire. Contrairement au hockey sur glace ou au roller hockey, les contacts sont interdits et il est interdit de jouer la balle autrement qu'avec la crosse. Sauf le gardien, bien sûr, qui peut effectuer les arrêts avec tout son corps. Le rink hockey est un sport très rapide et les règles sont faites pour dynamiser le jeu. Ainsi, si une équipe est en attaque et que la balle revient dans son camp, elle a 5 secondes pour lui refaire passer la ligne médiane. Quand une équipe récupère la balle dans sa zone défensive, ici par exemple sur une mauvaise passe du joueur rouge, elle a alors 10 secondes pour lui faire passer la ligne médiane et revenir en zone offensive. Dans un cas comme dans l'autre, l'arbitre décomptera les secondes passées dans la zone défensive en faisant un mouvement de bras par seconde. Enfin, pour éviter l'anti-jeu, chaque équipe a 45 secondes pour effectuer un tir à partir du moment où elle récupère la balle. Comme énoncé précédemment, au rink hockey, il est interdit de bousculer, tenir ou frapper la crosse d'un adversaire. Toutes ces fautes sont appelées fautes d'équipe et sont comptabilisées pendant tout le match. À la 10e faute d'équipe, puis toutes les 5 suivantes, l'équipe sera sanctionnée par un coup franc direct pendant lequel l'attaquant a la possibilité de s'amener la balle et de dribbler le gardien. Si certaines fautes sont commises à l'intérieur de la surface de réparation, comme au football, elles donneront lieu à un penalty. Pour les fautes graves, comme crocheter le patin d'un adversaire, un joueur peut être pénalisé d'un carton bleu. Le fautif sera exclu pendant 2 minutes et laissera son équipe en infériorité numérique jusqu'à la fin de sa pénalité ou jusqu'à ce qu'elle encaisse un but. Enfin, dans le cas de faute très grave, un joueur peut recevoir un carton rouge, ce qui l'exclut définitivement du match et inflige une infériorité numérique à son équipe de 4 minutes ou jusqu'à ce qu'elle encaisse un but. Dans le cas d'une faute grave ou très grave, si celle-ci a été commise à l'intérieur de la surface de réparation, elle donnera lieu à un penalty. Si la faute a été commise n'importe où ailleurs sur le terrain, elle donnera lieu à un coup franc direct. Enfin, notez qu'une équipe en infériorité numérique n'est plus soumise aux règles des 5, 10 et 45 secondes. Vous connaissez maintenant les bases du rink hockey et j'espère que cette vidéo vous donnera l'envie d'aller encourager votre équipe préférée ou même, pourquoi pas, de rejoindre un club.